Barkhane, je suis content et fier de mes parents, car le MP qu'ils ont voté au mois de décembre dernier a été élu député de notre commune. Barkhane, moi, mon père, il vote aussi. Ah, sérieusement, mon père ne vote pas. Barkhane, moi, mon père dit toujours qu'elle est africaine, c'est ça qu'elle ne peut pas voter. Oui, bah, je peux parler avec mon papa. Ça va, Boateng? Ça va bien, papa. Ok. Je peux te poser une question? Bien sûr que oui, mon fils. Vas-y, papa t'écoute. Pourquoi tu ne votes pas, papa? Mes amis de l'école, leurs parents, ils votent, mais pourquoi pas toi? Madame Raki, ça va? Bonsoir, madame Bachelet, comment allez-vous? Oui, je veux bien, madame Raki. Oh, je t'en prie. Merci. Mon fils Boateng, je ne vote pas parce que je ne suis pas anglais. J'habite en Angleterre, mais je suis congolais d'origine. Je suis africain. Papa V12. Oh, maman Raki. Bonsoir. Je suis étonnée de vous voir aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais très bien, madame. Prenez place. Merci bien. Comment allez-vous, papa? Ça fait un bail. Je suis là, madame Jessica. Boa, par mon job. Mais sinon, on est là. Ok. Je vous ai entendu parler avec l'enfant tout à l'heure et votre conversation a été très importante et nécessaire. Alors, l'enfant vous posait la question sur le fait et l'importance d'aller voter. Et vous dites que vous êtes africain. Vous avez eu deux enfants ici en Angleterre. Vous êtes british, j'imagine. La maman, la maison, je crois que vous l'avez en mortgage. Et tout ce que vous faites, votre vie est basée ici en Angleterre. Alors, l'importance d'aller voter n'est pas seulement réduite aux British, mais à toutes les personnes étant africains, mais qui s'intègrent également dans ce pays. Nous devons avoir cette culture d'aller voter. Maman Raki, je suis africain, né et grandi en Afrique. Je suis venu en Angleterre pour gagner du pain. Voter pour moi, c'est perdre mon temps. Et même si j'ai voté aujourd'hui, crois-tu que ma voix-là, changera quelque chose dans ce pays? Parmi des milliers d'Anglais qui sont ici, maman? Non, je ne crois pas que moi, là, ma voix peut changer quelque chose. Hein? Et vous savez, il y a un adage qui dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, on vous le donne en possession. Vous êtes ici en Angleterre, vous êtes british, vous faites vos enfants ici, vous êtes intégré. Il faut également s'intégrer sur tous les plans de ce qui se passe ici en Angleterre. Et l'importance d'aller voter est aussi de pouvoir apprendre à être recensé, savoir participer à tous les événements de ce qui se passe, parce que la voix que tu pourras donner pourra changer une vie, pourra changer une situation, un événement. Et ça, c'est très important de savoir qu'il est de ton devoir de citoyen de prendre cette responsabilité qui te revient de voter. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup des Africains qui postulent comme dans les postes de MP, mais ils n'arrivent pas à être soutenus par nous les Africains. Alors, il est de notre devoir de pouvoir soutenir ces personnes. C'est très important pour nous de prendre nos responsabilités, de se rendre aux urnes
C'est très important pour nous de savoir que toutes ces choses nous suivra par la suite. Parce que nous avons des idées, nous voulons des changements, mais qui n'arrivent pas. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas exactement nos représentants au niveau de ce conseil municipal. Alors, nous savons, comme vous et moi, nous vivons dans ce pays et nous savons qu'il y a des problèmes qu'on dit de discrimination, de racisme. Il y a tout ce problème-là auquel nous nous plaignons jour et nuit. Alors, comment résoudre ce problème si nous n'avons pas les personnes qui nous comprennent, les personnes qui sont à nos côtés et qui nous suivent? Ces personnes-là devront justement siéger aux côtés de ces personnes qu'on traite de racisme ou des personnes qui sont radicaux. Il nous faudra en fait de soutenir ces personnes-là afin que nous puissions être encadrés, si on peut le dire comme ça. Alors, il est important pour nous, Africains, de sortir de notre zone de confort, comme on dit en anglais, « get out from your box ». Il est important, Papa Vieux-Douce, de prendre vos responsabilités, d'apprendre à vos enfants aussi à être des bons citoyens. Parce que c'est ici que tout se passe. Un exemple simple que je vous donne. Pour faire un changement, par exemple, pour le bus, changement d'horaire, ou par exemple une route, avant de pouvoir accéder dans tout ça, ils nous font de lettres, ils nous envoient des courriers. Mais très peu d'entre nous ont le culot d'aller au moins lire ce courrier, y participer pour répondre et puis le renvoyer. Et tout ça, on peut vous envoyer, par exemple, ils peuvent dans ce commune, ils peuvent envoyer, disons, 1500 courriers à des familles. Mais très peu d'entre nous, Africains, qui prenons le temps de pouvoir lire ou répondre. Alors, imaginons si 5 familles, on va dire blancs, répondent et ils sont d'accord pour les changements de bus, d'accord pour les changements de route. Alors, dites-moi, puisque vous vous levez un bon matin, vous voyez une route qui devient à sens unique. Vous vous levez un bon matin, un bus qui a été supprimé. Vous vous levez un bon matin, on va dire, une bibliothèque qui a été, par exemple, fermée. Ces choses-là, ils prennent le temps de venir auprès de vous en parler, parce que c'est leur rôle de pouvoir faire ça. Mais peu d'entre nous, nous prenons le temps de pouvoir s'informer, nous prenons le temps de s'intégrer réellement dans nos villes. Et vous savez, entre mars et mai 2021, il y a un grand événement qui se passe, c'est qu'il y aura recensement pour, en fait, c'est parce que ça se passe chaque 10 ans. Ah bon? Et nous avons cette période-là, de mars 2021 au mai 2021, qu'il faudra pour nous d'aller se faire recenser parce qu'il est très important et très nécessaire. Pour quelle raison? Parce que justement, le gouvernement prend conscience de la démographie d'un milieu à un autre. S'il sait exactement le nombre de populations qui se trouvent dans une commune, il pourra bâtir beaucoup plus, par exemple, des écoles, des hôpitaux qui seront peut-être aménagés. Il y a des bus qui aussi peuvent être aussi aménagés pour que la population ait une facilité à une vie normal, plus facile. Mais si nous ne voulons pas faire le recensement, qui, par exemple, nous ne voulons pas aller voter, ces choses-là nous empêchent, nous, Africains, à pouvoir s'intégrer pleinement et en bénéficier. Il est très, très capital d'avoir toutes ces notions en nous. Raki a raison. J'étais ignorant, moi. Oui, mon amour. Nous étions ignorants. Aujourd'hui, je comprends l'importance d'aller voter. Maman Raki, comment je vais grandir? Moi aussi, je vais voter. C'est bien dit, mon grand. Give me 5. Wow. Papa Vedeuse, je suis très ravie et je sais que vous tous, maintenant dans la famille, vous avez cette prise de conscience et l'importance d'aller voter. Alors, je vous demanderai à votre tour
d'encourager ceux-là qui sont éligibles d'aller voter. Alors n'oubliez pas, faites passer le message pour la bonne cause. C'est bon, je veux vous laisser. Merci beaucoup, Madame Raki. Je vous en prie. Rendez-vous mars-mai 2021 pour le recensement. Ça, c'est très bien. Ok. Je vous remercie bien. Allez. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là avec nous ce soir. C'est parce que dernièrement, j'ai reçu une lettre venant du gouvernement concernant les votes. Et je peux bien voter, mais le problème est que je ne sais pas comment procéder. J'aimerais bien que vous puissiez m'aider, me montrer comment le faire parce que j'aimerais bien voter. Tout à l'heure, quand vous avez frappé à ma porte, j'ai dit « Oh, gloire à Dieu ». Très bien, madame. Telle est la raison de ma venue ici. Oui. Alors, monsieur, vous êtes également éligible pour pouvoir voter ? Non, madame, je ne suis pas éligible pour voter. Bon, en fait, madame, mon mari n'est pas british, donc il n'y a que moi ici dans la maison qui va vouloir voter, pas lui. Alors, c'est très bien, monsieur. Comme dans ce cas-là, vous n'êtes pas éligible pour aller voter, et alors il serait préférable pour vous de pouvoir mobiliser, faire passer le message afin que d'autres personnes qui sont british, qui sont sur le sol UK, de se rendre massivement pour aller voter. Vous savez, c'est justement dans un intérêt commun que nous le faisons. Alors, n'oubliez pas, sensibilisez, faites passer le message pour toutes personnes qui sont éligibles de voter. Au fait, toi, madame, j'aimerais bien savoir, y a-t-il plusieurs façons de voter ou bien cela se fait que sur des lettres, des application forms qu'ils nous envoient, on remplit, on les dépose à la poste ou encore il y a d'autres façons par Internet ou se rendre à des endroits comme des camps, social housing, ils peuvent aussi apporter de l'aide sur ça? Alors, très belle question. Vous savez, il y a plusieurs manières, en fait, de procéder au vote. OK. C'est vrai que vous recevez des application forms que vous avez chez vous. Alors, vous pouvez, si vous êtes capable de le faire, remplir ces formes. Alors, ensuite, vous pouvez le poster. Il y a aussi une seconde façon de le faire, c'est-à-dire vous pouvez le faire online. Okay. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Ouais. Alors, vous pouvez, je vais entre autres vous montrer comment vous pouvez aussi accéder à ce site du gouvernement pour pouvoir le faire. Il y a aussi une autre chose pour ceux-là en fait, qui ne savent pas, par exemple, manipuler un laptop. Alors, si vous recevez des application forms, vous n'êtes pas capable de pouvoir remplir par vous-même un courrier ou par exemple ce forme-là, vous pouvez également vous rendre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des points communs ici qu'on a bien établis pour pouvoir en fait vous aider en fait à remplir vos application forms. Ça peut être dans les consoles, ça peut être dans des écoles, il y a des libraries qui le font. Ouais. Alors il faut également en fait savoir vos points en fait points communs qui vous permettra d'aller en fait pour pouvoir remplir vos application forms pour voter. Il y a aussi de charité par exemple ici à Birmingham, nous avons African French Speaking Community Support qui est le charité de Monsieur Jacques Matinsi. Vous pouvez aussi vous y rendre. Alors, il aide beaucoup dans notre communauté, surtout congolaise. Vous pouvez vous y rendre et il pourra également vous aider à pouvoir remplir vos formes. Vous aurez besoin certainement juste de votre ID ou votre passeport et ensuite votre numéro d'assurance number. C'est tout ce que vous avez besoin, en fait. Il est là, auprès de vous, pour pouvoir vous accompagner, à pouvoir accomplir votre tâche patriotique. Et voilà. Madame, est-il possible que vous puissiez m'aider à le faire maintenant, là? Of course. Je vais vous montrer comment faire ça, comment accéder au site du gouvernement pour pouvoir, en fait, avoir toutes les informations. Si vous pouvez un peu me déplacer. Oh, oui, oui. Bonjour. Just sit. Just there, sit. Okay, thank you. C'est bon, monsieur? Vous aussi regardez? C'est là.
Alors, là, on est, c'est facile, vous êtes sur Google. Yeah. Après, vous allez « Register to vote » UK. Ouais. Ensuite, vous allez dans le site « Gouvernement ». Il faut bien s'assurer que c'est les sites du gouvernement. OK. Comment le savoir que c'est le vrai? Justement, vous avez www.gov.uk. OK. Et puis, vous avez « Register to vote ». Eh oui. Gov. Vous allez là. Ensuite... Vous avez toutes les informations ici. Register to vote. Ouais. Vous allez jusqu'à la start now. Ensuite, on vous pose certaines questions qui sont faciles. Hein, ouais. Vous allez répondre. Where do you live? Donc, on va le faire ensemble avec vous. Le premier. In England. Après, là. What is your nationality? Donc, British. Yeah. Ensuite, on vous demande votre date de naissance. Ah oui, madame. Je vous laisse le soin de pouvoir le faire. Ok, merci bien. Ensuite, vous avez votre nom. Oui. Que vous avez mis. Ah oui. National insurance number. Je vous laisse le soin de pouvoir mettre votre insurance number. Ok, madame. Okay. Do you also live at the second address? No, madam. Okay. Have you permanently moved out of another address in the last 12 months? No. Do you want to opt out the open register? Yes. Ensuite, vous allez toujours continuer. Do you apply for a postal vote? No. But in person. Tu veux aller justement toi-même aller voter. Vous comprenez le sens? Ah oui, j'aimerais prendre la troisième option là. La troisième option. Oui, celui de l'application form. D'accord. Ok. Post you need to me. Sign. Post. Post. Yes, please. Post it to me. Ok. D'accord, je vous donne, vous pouvez mettre votre adresse email okay, en cas madame. De besoin. Si vous avez des questions, vous pouvez également appeler et envoyer votre question par email. Ok, madame. Merci. Alors là, nous avons un récapitulatif de tout ce que nous avons fait, c'est-à-dire oui. Check your answer before to send your application. Oui. Tu vois, vous avez tout ça, votre nom, vous confirmez, c'est bel et bien votre nom. Oui. Alors. Et ce système permet, si par exemple il y avait des erreurs, nous pouvons les changer? Exactement. Okay. Vous voyez, s'il y a des erreurs, on peut repartir pour pouvoir changer. Okay. Confirmer toutes ces informations sont bel et bien du vôtre. Oui, ce qui revient à dire que ce n'est pas encore parti, on n'a pas encore envoyé cela. Non, pas encore. Okay. Une fois que vous me dites que tout est OK, c'est okay. Alors que... Moi, je peux, en fait, valider pour pouvoir envoyer... Ok, madame. Ok, merci, j'ai compris. D'accord. Oui, tout est correct. Oui, tout est correct. Là, nous allons maintenant accepter. Oui. Et puis, envoyer. Ok. C'est fait. Oui. Alors là, vous avez le numéro de référence hein, qui est propre à vous. Vous avez écrit quelque part, vous le notez. Alors, au bout de 10 jours, vous allez recevoir un email adresse sur votre... Donc, il faut checker sur votre adresse email. Et puis aussi, vous recevrez un courrier vous notifiant de la part de votre office électoral, de votre area. Oui. Donc, vous allez recevoir ça et vous allez en fait remplir ça pour pouvoir en fait avoir toutes les informations concernant les élections. Ok, madame. D'accord. Vous avez bien écrit votre numéro de référence? Oui, oui. Ensuite, vous avez tout fait. Voilà, madame, c'est tout. Vous avez bel et bien été enregistrée au site gouvernemental pour pouvoir voter. Madame, vous voulez dire que c'est tout? Alors, c'était si simple que ça? Je Exactement. Pensais que c'était vraiment difficile à le faire. C'est tout ce que vous aviez eu à faire. Oui, madame. Donc, c'est ça. Maintenant, dans au moins de 10 jours, vous allez recevoir votre courrier qui vous notifiera toutes choses. Ok, madame, merci. D'accord. N'oubliez pas de sensibiliser tout autour de vous. Ouais. Aussi, des personnes pour pouvoir aller voter. C'est ouais. très important. Et aussi, le rendez-vous pour 2021 du recensement qui commence au mois de
mars 2021 jusqu'au mois de mai 2021 et de pouvoir aller se recenser. C'est très important pour que tous, étant africains, nous puissions comprendre l'importance de ces choses qui sont capitales et aussi de pouvoir sortir de nos zones de confort. Get out from your box, tout simplement. Ok, merci bien aussi à vous, madame. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous avoir ici. Je vous remercie d'avoir pris votre temps, de m'avoir eu cette gentillesse de pouvoir m'écouter. Merci à vous. Merci, madame. Merci beaucoup, madame, pour votre écoute. C'était important de venir, en fait, partager cette expérience, hein, afin de pouvoir savoir, en fait, ces informations qui sont capitales. Sur le droit de vote. Une fois de plus, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, merci. Tel est mon plaisir. Oh, merci, maman. Yes. Nous allons vous accompagner à la porte. Merci, madame. Merci. Monsieur. Merci à vous. Monsieur, mon mari. Mon cher Dikambo, 0044. Je suis très content, très fier de remplir mon devoir. C'est vite. Moi également, Dika. Ma femme. Oui, mon chéri. Dis à Yvette tranquille que je viens de voter. Madame Noura. Oui, papa. J'étais ignorant. Je ne voulais pas voter. Mais aujourd'hui, je suis très heureux. Et j'ai compris que ma voix, ma seule voix là, est très, très, très important. Et ça peut changer quelque chose dans ce pays. C'est ça. Avec plaisir. Mon ami, merci de voter. Merci. Encouragez aussi ceux-là qui sont éligibles de pouvoir voter. Oui, papa Védouze, ça fut également un plaisir pour moi de voter. Avant, je pensais que voter était un truc difficile à faire. Mais alors que c'était très facile, on peut voter en ligne, on peut remplir des application forms. Et puis encore, on peut aller à les endroits où on peut aider, comme les libraires, les council housing, ils sont là pour apporter de l'aide. Donc, je vais tenir à cette occasion aussi de sensibiliser toutes les femmes africaines partout dans le monde, de penser à pouvoir voter. Oui, papa Védouze, pour moi, ne t'inquiète pas. À chaque fois qu'il y a élection, je vote toujours. Ce n'est pas la première fois. Je vous offre quelque chose à boire, bien sûr, madame. Oui, maman, oui, Sylvia. Oui, avec joie. Mon cher ami Dika. Avec plaisir, mon cher. Ok. Et personne. Je vois que toute la famille est réunie. Oui, bien sûr. Bonsoir madame. À vous. Bonsoir. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Nous venons de voter, madame. Waouh. Tous ensemble. Waouh. Voilà. C'est ça qu'on appelle la vraie intégration. Voilà. Vous avez rempli votre tâche patriotique. Yeah. Vous êtes sensibilisé et vous sensibilisez les autres. Voilà. Alors, je suis très fière de vous. Continuez de passer le message, continuez de faire et d'appliquer encore ce qui est nécessaire afin que nos voix soient entendues de partout. Voilà. Mais en tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup. Gisèle, madame, je vous sers quelque chose à boire. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place, j'arrive. Africans, let's get out from our box. Africains, sortons tous de notre zone de confort.